vous allez bien? Bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le 4e épisode. J'arrive pas à croire que j'en suis arrivée jusqu'ici. Hier, j'ai eu un espèce de petit mental breakdown parce que, pour être très honnête, je pense que c'est trop de boulot de filmer, de monter et de poster le soir même. Donc, je pense que si je refais une Vlogtastic Week à un moment dans ma vie, je ferai plus comme Lena Situation, c'est-à-dire que je filme la journée, je monte. Le soir, mais je poste le lendemain, comme ça j'ai moins de stress parce que là ça a été horrible, le fichier voulait pas se télécharger et tout. Bref. Bah écoutez, aujourd'hui on est jeudi, le temps ça change pas, j'ai envie de dire. Je me suis pris une petite matinée tranquille pour moi. J'ai flâné un petit peu au lit, j'ai pris un bon petit déjeuner, là j'en suis à mon deuxième café. J'ai répondu à quelques mails et je vais commencer un petit peu le montage de cette vidéo d'aujourd'hui. Pour que tout soit prêt. Le plan d'aujourd'hui, c'est que j'ai pas de plan. Voilà, c'est tout. J'ai pas du tout de programme. J'ai un peu envie de m'emmener en date, pour être très honnête. Un date avec moi-même. Voilà, je vous avais parlé dans le premier épisode de l'expo Frank Horvat et j'aimerais bien y aller. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas, là, on est sur le montage et bah voilà. Et on se retrouve bah, du coup plus tard pour. La partie plus fun. Current situation. If you know, you know. Et me revoilà, ça y est, le montage est fini. Je suis prête à m'amener en date. Avec le programme, on va aller voir du coup l'expo Frank Horvat. Je suis trop contente, j'ai bien le premier billet. Du coup, bah, direction le jeu de paume. Mais je suis trop contente de me prendre ma petite journée pour moi comme ça là et de m'emmener en date. Bon, niveau look, on n'est pas sur un truc fou, mais c'est un date comfy. On va dire que c'est un date quand on se connaît quoi. C'est un quatrième ou cinquième date où on est un peu plus à l'aise, pas besoin de se mettre sur son 31. Donc voilà, donc moi je suis vraiment en mode. Je suis vraiment en mode casual et c'est très bien et voilà, j'ai trop hâte. Franchement, ça va être fun, je pense. L'exposition, c'était vraiment super sympa, très très inspirant. C'est trop bien en fait de faire des petits dates comme ça, seul avec soi-même, on est tranquille. Désolée, il y a la forêt des Tuileries, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai très envie d'un petit truc sucré, d'un café, je sais pas encore. Mais du coup, bah, si vous me connaissez, si vous suivez un petit peu mes vlogs, vous savez où je vais aller. Voilà, je viens de rentrer, j'ai commencé à monter du coup les rushs de l'après-midi. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de sortir un petit peu, de me faire mon petit date avec moi-même, ça fait du bien. Franchement, je vous conseille, si jamais vous vous sentez un petit peu dans un mauvais mood, bah, juste le fait de sortir va vous faire du bien. Et je vous avoue, c'est toujours le plus dur, c'est de se motiver à sortir. Si vous êtes un peu comme moi... comment dire, si vous aimez bien rester à la maison, bah c'est sûr que sortir est une épreuve, mais je peux vous dire que ça m'a fait le plus grand bien. L'expo était super sympa, volontairement pas mis trop de rush de l'expo, parce que déjà, un, j'ai pas pris tant de photos que ça. Je me suis vraiment mis dans un mood, dans mon mood à moi, quoi. J'ai mis mes écouteurs, je me suis mis une petite playlist instrumentale, Creativity Boost. Et j'ai juste essayé de m'imprégner des photos, etc. Et de vraiment profiter de ce moment pour moi, sans avoir à créer forcément du contenu. Du coup, voilà. Et puis, je pense que c'est cool aussi pour vous, parce que ça ne vous spoil pas. Et vraiment, si vous voulez y aller, si vous aimez la photographie, pas forcément que de mode, parce qu'il ne fait pas que ça.
En tout cas, c'est vraiment un. J'aime beaucoup son travail et je suis très contente de l'avoir fait. Et du coup, je suis partie me prendre un café au café Kitsune, la base. À la base, j'avais l'intention juste de prendre mon café à emporter et d'aller marcher plus vers Opéra et possiblement aller aux galeries pour faire un peu de shopping, regarder un petit peu ce qui se passe et tout. Mais il s'est mis à pleuvoir, c'était la folie, j'ai vu tout le monde courir de partout. Donc j'ai décidé de me poser et c'était très drôle parce qu'il y avait une dame à côté de moi qui s'est assise et elle a commencé à me parler. Et en fait, elle était à l'expo avec moi et elle m'avait vue et on s'est retrouvés au café Kitsune et on a un peu discuté, donc ça faisait du bien, ça arrive pas souvent de parler comme ça à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc c'était cool, on a un peu échangé, c'était fun. Et après moi je suis rentrée parce que je me suis dit que j'allais pas marcher sous la pluie, il faisait un peu froid aussi, donc voilà. Du coup je suis rentrée, j'ai fait mon petit montage et en même temps c'est pas plus mal parce que ça m'avance sur mon programme et je vais pouvoir poster la vidéo plus tôt, ce qui je pense est mieux au niveau de l'algorithme YouTube. Et du coup voilà. Donc je termine cette journée comme ça. Franchement, je suis très très satisfaite et je crois que c'est un des. Depuis le début de la semaine, c'est un de mes vlogs préférés. Enfin, en tout cas, ce que j'ai préféré monter et ce que j'ai préféré, comment dire, filmer et vivre, quoi. Donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà, écoutez, à demain pour une nouvelle vidéo.